Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit dans le pays des Lions Indomptables du Cameroun. D'ailleurs, je me fais arroser par cette belle fumée parce que je suis à la fan zone de la mairie de Yaoundé 2, ici même à Tinga. Installez-vous confortablement, l'émission démarre tout de suite pour 13 minutes de partage, 13 minutes de bonheur et de plaisir. On se retrouve juste après la transition. À Limbé, les supporters maliens étaient présents dans les gradins pour encourager leur équipe. Nos envoyés spéciaux ont profité pour leur demander comment ils se portaient au Cameroun. À travers cet élément, nous aurons des réponses. On regarde. Je suis une nationalité malienne. Donc on est là pour soutenir notre pays, le Mali. Cameroun et le Mali, je pense que c'est les deux pays, les deux frères. Nous sommes des frères avec le Cameroun. Cameroun, on est là depuis quelques années. Cameroun, c'est un beau pays. En vrai, vrai, c'est un beau pays. On remercie le Cameroun et j'espère que ça va aller. Il y a plusieurs nourritures que j'adore. Depuis que je suis arrivé au Cameroun, il y a un dolé. Vraiment, j'adore. Je mange très bien, c'est bon. Il y a aussi des choses, des héros. Vraiment, j'adore très bien. Je suis né ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais j'ai toujours l'amour de ma patrie. Donc je supporte les deux, le Cameroun et le Mali, mes équipes favoris. Nous sommes en place pour supporter notre équipe nationale, les valeureuses aigles du Mali. Et nous sommes déterminés, on a la niaque, on a la force, on a le courage, on a de l'énergie. Au niveau de certaines cultures, la culture du Nord et la culture malienne, elles sont un peu similaires au niveau de la religion. Au niveau de la façon de vivre, la preuve, on s'intègre facilement. L'Algérie est surnommée les Verts ou encore les guerriers du désert et aussi les Fennec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Fennec est désormais le nom attribué à l'équipe d'Algérie. L'Égypte, leur surnom renvoie à leur histoire, les pharaons d'Égypte. Nous serons plus édifiés à travers ce reportage. Alors que d'autres nations ont opté pour des surnoms plus intimidants, l'Algérie a opté une partie plus poilue de son patrimoine national, le renard fennec. Une sous-espèce de renard originaire du désert du Sahara, il figurait même sur le maillot de 2010. Un renard fennec est connu pour sa caractéristique distinctive, des oreilles massives. Ceux-ci servent à dissiper la chaleur et aident le renard à survivre face au climat aride dans lequel il réside. On comprend alors comment, à travers les milieux variés au fil des années, les déserts varios, Algériens sont la sélection africaine qui a la plus grande série d'invincibilité sur le continent. Ils sont également les champions en titre du tournoi en cours. Dans cette canne, il n'y a qu'un pas entre les renards et les pharaons. Alors que d'autres surnoms nécessitent des recherches pour discerner leur histoire et leur signification, celui-ci est simple. L'équipe égyptienne, connue pour ses grandes pyramides, est connue sous le nom de Pharaon, un clin d'œil aux anciens monarques du pays. Les pharaons étaient considérés comme des messagers des dieux et avaient donc le droit divin de diriger le peuple. En tant que l'une des confédérations africaines les plus décorées, premier représentant du continent à la Coupe du Monde en 1934 et vainqueur du plus grand nombre de tournois de la CAN, ils ont également remporté le titre de monarque du football africain. Vous suivez The Sport Live. L'Union africaine de radiodiffusion est un organisme professionnel composé de l'Organisation nationale de la radio et de la télévision des États africains qui s'est engagé à développer tous les aspects de la radiodiffusion en Afrique. Dans notre séquence, des à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, nous nous rendons tout de suite dans la ville de Limbé voir l'ambiance qui règne au sein des supporters tunisiens. On regarde. Hey!
poursuivons notre série sur la cuisine africaine. Après la tchéké en Côte d'Ivoire, la cuisine gabonaise, le koumkoum, nous allons découvrir un autre type de couscous. Au Cameroun, il s'agit du hérou. Il se mange avec du couscous de tapioca ou encore avec du couscous de manioc fermenté, communément appelé koumkoum. À force de trop parler, j'ai déjà envie de manger. On va, avec ce reportage, découvrir le hérou. Le hérou est un plat authentique du peuple Bayangui dans la Manyu, région du sud-ouest Cameroun, et qui s'est exporté dans les 10 régions du pays et même au-delà. Notamment dans certains pays présents à la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun 2021. Au Nigeria, chez les Igbo, ça s'appelle Kazé. Chez les Efiki, tout comme chez les Ibibio, toujours au Nigeria, ça s'appelle Afang. Au Gabon, on parle de Kumu. Au Congo, en Angola et en République centrafricaine, c'est le Umfumbua ou Koko. C'est un plat aux valeurs nutritives considérables. Le hérou est très riche en fer. Très riche en fer, très riche en zinc, très riche en vitamine C. Et maintenant, vu l'huile, très riche en vitamine A. Donc, c'est ça. C'est riche en glucides, riche en fibres, riche en graisse. C'est un plat complet. Mais aussi thérapeutique. Ça va beaucoup nous aider à lutter contre les maladies respiratoires. C'est très bon pour le transit. Et puis, si c'est préparé de façon saine, ça va nous aider à lutter contre les cancers, surtout le cancer de colon. Ça va nous aider aussi à lutter contre, même contre ce Covid-19. Chez les Etones, par exemple, une ethnie femme bétie du Cameroun, on l'appelle Okok, il s'est dit là-bas que ça fait pousser beaucoup les cheveux des femmes qui en consomment régulièrement. Le plat hérou est fait à base des feuilles appelées scientifiquement Nietum africanum, d'épinards sauvages, de la viande de bœuf fraîche, de peau de bœuf appelée localement Nkanda, du poisson fumé de préférence la morue, de petites crevettes écrasées appelées au Cameroun Mendjanga, sel et de l'huile de palme. Piment, bouillon de cube au choix, le hérou s'accompagne des fécules issues des racines du manioc séchées et traitées appelées gari ou tapioca, appréciées aussi au Bénin et au Togo, soit alors à faire du watafoufou, qui est une pâte de manioc onctueuse, cuite après l'avoir fermentée quelques jours à l'avance. Incontournable dans les cérémonies traditionnelles, à table, à la maison, au bureau ou au restaurant, les fins palais apprécient le goût. J'aime le hérou parce que c'est ma nourriture traditionnelle et c'est bon pour la santé. Le hérou est l'une des nourritures phares des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est un plat aux multiples vertus. Un savant dosage d'ingrédients, une explosion de saveurs en bouche, surtout beaucoup d'amour et de respect pour la gastronomie africaine. We understand that it's not just about buying a dress. Being able to pay your bills. The TV is showing cartoon. But I just paid for it. Promise. I promise. Making that quick stop at the shop. Or sending some money home for the holidays. We just received the money right now. You're welcome, Mom. I told you I would send it. It's about the 90,000 businesses across 13 countries in Africa who trust us to keep their promises. It's knowing that anywhere, anytime, any way, you can always pay. Flutterwave, simplifying payments for endless possibilities. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme The Spotlight. J'espère que vous avez aimé et j'espère vous retrouver demain sur la même chaîne, même heure. Les amis, d'ici à là, portez-vous bien. Pendant ce temps, je profite et je savoure ma brochette et on remet ça.